Salut les amis, bienvenue dans Tone Factory, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec Walrus, une de mes marques de pédales préférées. Et on va voir ensemble une des toutes nouvelles pédales de la marque, la Giuliana. Giuliana, ça ressemble à Giulia, la pédale qu'on avait essayé il n'y a pas très longtemps chez eux, qui est en fait un vibrato chorus super classe, qui est depuis longtemps au catalogue Walrus. Et ils ont fait une nouvelle version de cette Giulia en stéréo, c'est le grand intérêt de cette pédale, mais il y a aussi d'autres petites particularités. On l'essaye aujourd'hui dans Tone Factory avec notre Strat Plus de 91, et puis le Kelt Mostro qui est toujours au studio et avec lequel on se fait super plaisir, et le Amstead Artist 20 puisqu'il nous faut deux amplis pour la magnifique stéréo de cette Giuliana de chez Walrus. Alors les réglages de base qui se trouvent ici, c'est exactement les mêmes que sur la Giulia. Alors je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait qui est assez complète au niveau de cette pédale. Nous on va s'intéresser aujourd'hui aux différentes options qu'il y a sur cette Giuliana, à savoir déjà la stéréo et le contrôle de stéréo avec ce potard ici, DCV pour Dry, Chorus et Vibrato. Donc ça, en fait, si vous voulez, ça permet d'avoir un ampli où il n'y a rien, de faire un vrai dry wet comme on dit, c'est-à-dire un ampli où il n'y a pas l'effet et un ampli où il y a l'effet, en l'occurrence le Kelt sans effet et le Amstead avec les effets. Et puis, plus on va monter ce potard, plus les deux amplis vont mélanger ce chorus et ça va vraiment donner un superbe effet stéréo dans la pièce. On écoute ça ensemble tout de suite. Voilà pour cette stéréo sur cette Giuliana et surtout ce contrôle de stéréo grâce à ce petit potard ici. Alors dans les nouveautés sur cette pédale, je vous le disais, il y a une troisième onde par rapport à la Giulia. La Giulia a que deux ondes, une ronde et une un peu plus pointue, un peu plus mordante. Ici on a une onde qui va bouger en fait, une onde qui est assez imprécise. Vous allez voir, c'est très drôle et ça donne beaucoup, beaucoup de relief au jeu. Thank you.
Voilà pour cette nouvelle forme d'onde un petit peu bizarre et un petit peu psychédélique, en fait, qui vous embarque dans un univers un petit peu différent de ce que sait faire la Julia. C'est assez intéressant. En fait, moi, ce qui m'a bluffé, encore une fois, chez eux, c'est souvent le cas, c'est la dynamique globale de la pédale, c'est-à-dire qu'elle respecte le guitariste, elle suit le guitariste. Plus on va taper dans le médiator, plus l'effet va sonner, en fait, plus l'effet va prendre de la place. Ça, c'est vraiment mortel. J'avais envie de faire des compos, de jouer avec ça toute l'après-midi, parce que ça m'a inspiré, ça m'a mis dans un espèce d'ambiance, en fait, tout de suite. Il y a une matière, vraiment, dans le son, qui est presque palpable dans la pièce. On joue pas très très fort, mais le fait d'avoir les deux amplis comme ça derrière moi, ça m'enveloppe vachement, et j'ai une sensation sur la guitare complètement différente de quand l'effet, par exemple, est off, ou même juste sur un ampli, en mono. Voilà, donc c'est encore une fois l'intérêt du stéréo plus ce genre de forme d'onde, ça marche vraiment très très bien ensemble, et ça fait une pédale assez homogène qui, franchement, au cours de l'essai là, en tout cas, me bluffe de plus en plus, parce que il y a encore une fois une qualité dynamique, et globalement chez Walrus, c'est le cas pour beaucoup de pédales, qui est absolument hallucinante. Alors il y a un tap tempo, je vous disais aussi ça, c'est indispensable, en tout cas sur cette pédale, ça le devient très vite. Sur le coup, on se dit, bon, pff, allez, à quoi ça sert sur un vibrato chorus et tout, puis en fait, finalement, on s'en sert tout le temps. Tempo, un indispensable, en fait, on se rend compte quand on l'a sous le pied, sur le coup, on se dit bah ça sert à rien, puis une fois qu'on l'a, en l'occurrence pour moi, sous la main, pour vous montrer aujourd'hui, bah on se rend compte que ça rajoute quand même quelque chose à l'effet d'énorme, et puis on peut choisir vraiment l'onde qu'on veut faire par rapport au morceau qu'on joue, c'est tout de suite disponible et vraiment facile à régler, donc ça en fait encore une pédale plus complète que ce qu'était déjà la Julia. Pour la différence entre les deux pédales, si vous vous posez la question, si vous n'avez pas de moyen d'enregistrer ou de jouer live en stéréo, franchement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, parce que la Julia reste quand même le même effet, à quelques petits détails près, comme l'onde, on l'a vu tout à l'heure, ou le tap tempo. Mais voilà, le stéréo ramène quand même quelque chose d'autre. On est toujours dans le même univers, mais avec encore un peu plus de matière, ça inspire encore un peu plus, parce que forcément, la stéréo, ça donne des sensations de jeu. On avait fait d'ailleurs un épisode là-dessus, sur jouer avec deux amplis, à quoi ça sert, etc. Bah là, voilà, cette pédale nous prouve encore que les dimensions sonores et complètement différente, donc c'est pas comparable, mais en tout cas c'est une pédale qu'il faut essayer, il faut prendre le temps, parce que c'est des pédales qui demandent un petit peu d'adaptation quand même, il y a un petit peu de réglage, etc. Donc si vous les croisez en magasin, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dessus. Et puis un petit mot aussi sur le design, on l'avait dit, la Julia était déjà magnifique, la Juliana l'est tout autant. Franchement, c'est des gens qui bossent hyper bien chez Walrus, c'est hyper agréable. Vous me direz, on a ça sous le pied dans un pedalboard, on s'en fout un petit peu, mais quand même, ça fait plaisir, je trouve. C'est voilà, des gens qui travaillent bien et qui prennent soin de faire des choses qui sont originales, et ça, c'est notable. Voilà, les amis, on se retrouve dans le prochain épisode de Tone Factory. À bientôt.